Madam Speaker, last fall the minister disclosed he had a personal relationship with the Irvings. The Ethics Commissioner has banned him from any dealings with the Irvings. Apparently, he doesn't think it applies to cocktails with Irving lawyers and lobbyists. Given that he's in charge of all litigation involving the federal government, could the minister tell us how many ongoing cases the federal government has with Irving or with Cox and Palmer? The Honourable Prime Minister Secretary? Madame la Présidente, vous savez très bien que les Canadiens et les Canadiennes s'attendent de très haut niveau d'éthique de la part de nos ministres et de nos députés, Madame la Présidente. Alors, j'invite les députés de l'opposition à prendre connaissance du document qui a été déposé en Chambre aujourd'hui, faire référence au document qui indique clairement que la participation du ministre, Madame la Présidente, à cet événement ne posait aucun problème. Le ministre a pris les devants, Madame la Présidente, pour demander à la commissaire à l'éthique des conseils sur cette invitation. Et comme vous pouvez le voir, Madame la Présidente, sa réponse a été très claire. Il n'y a aucun problème que le ministre assiste à cet événement, Madame la Présidente. The Honourable Member for Elgin, Middlesex, London. Well, thank you, Madam Speaker. The Ministers of Fisheries recently stated law firms are not able to confirm whether any person or client is a company, as such matters are confidential. An easy Google search revealed Cox and Palmer represents the Irvings. Yeah. When did the minister request a ruling from the Ethics Commissioner? And at that time, did he disclose that Cox and Palmer represents the Irvings? Madame la Présidente, encore une fois, je réfère les députés de l'opposition au document qui a été déposé en Chambre, Madame la Présidente, qui indique clairement, très clairement, que le ministre pouvait assister à cet événement, Madame la Présidente. Et Madame la Présidente, il s'agit d'un événement annuel organisé par un cabinet d'avocats lors duquel les invités ont l'occasion de rencontrer la communauté d'affaires de Toronto, Madame la Présidente. Le ministre n'a absolument pas accès aux listes des clients des cabinets d'avocats de ce pays et il serait illégal qu'il les rende publics, Madame la Présidente. Encore une fois, le ministre avait la permission de la commissaire à l'éthique, Madame la Présidente, d'assister à cet événement.